Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première est que le pape Saint-Libert et les accusations qui sont portées contre son orthodoxie sont toujours d'actualité. On pourrait même dire plus que jamais. La seconde raison est que le chanoine Korn, qui écrivait au début du XVIIIe siècle, a été le premier historien qui a réfuté les accusations d'arianisme qu'avaient exhumées de vieux grimoires les protestants et surtout les jansénistes. On croit trop souvent en effet que ce sont les historiens modernes qui ont découvert que le pape Saint-Libert aurait adhéré à l'hérésie arienne. Il n'en est rien. Ces accusations ont revu le jour avec la prétendue réforme protestante et le fiel janséniste. Or, et c'est la troisième raison de cette réédition, on s'aperçoit que les arguments avancés par la critique moderne pour prétendre démontrer la fameuse chute du pape Libert n'ont pas varié d'un iota depuis 1726. Chacun de ces arguments ont été examinés et réfutés par le chanoine Korn. Il n'y a pas eu un seul élément nouveau depuis. En tout cas, pas un seul élément nouveau à charge, car après le chanoine Korn, un grand nombre d'écrivains catholiques, et notamment les plus grands savants en archéologie chrétienne, comme le cardinal Pitras ou Jean-Baptiste de Rossi, ont retrouvé de nombreuses preuves démontrant qu'il est impossible que le pape Libère ait adhéré si peu que ce soit à l'hérésie arienne. La dissertation du chanoine Korn, aussi solide que concise, se présente en une soixantaine de pages seulement. Elle est précédée d'une préface destinée à faire le point sur l'état actuel de la question de la prétendue chute du pape Libère. Après un rappel de l'origine protestante et janséniste des accusations portées contre le Saint-Pontife, notamment à travers les pensées de Blaise Pascal, l'auteur de la préface recense un certain nombre d'articles récents montrant l'entente parfaite des modernistes de Vatican II et de leurs opposants dans l'affirmation de l'hétérodoxie du pape Saint-Libert. Ces arguments sont ensuite analysés en détail, et notamment le recours à l'autorité du cardinal Newman, dont on démontre qu'elle n'est ni celle d'un cardinal, ni même celle d'un catholique. Cette préface est suivie de la relation de trois faits particulièrement remarquables du pontificat du pape Libère. Le premier est la réplique du Saint-Pape à l'empereur arien Constance II: Quand même je serai seul, la foi ne saurait périr. Le second est l'épitaphe du Saint-Pontife gravée sur sa tombe et retrouvée au XIXe siècle par le commandeur de Rossi et traduite par le cardinal Pitras. Cette épitaphe, qui qualifie Saint-Libert de pape immaculé, constitue presque un inédit. Le troisième est le résumé succinct d'un petit livre qui sera prochainement publié, intitulé Sainte Marie aux Neiges est-elle venue innocenter le pape Saint-Libert? C'est dans ce petit opuscule que la démonstration de la parfaite et constante orthodoxie du pontife qui construisit la basilique Sainte Marie Majeure trouve son achèvement et le cachet remarquable d'une intervention miraculeuse.